Salut à tous, avec le coach Galago. Aujourd'hui, ambiance tamisée, ambiance feutrée, ambiance bar, ambiance cocktail, avec le titre Archi Jazzy The Day You Moved de Del Harpé Rousseau. À vrai dire, je ne connais pas du tout ce monsieur, mais il y a quelques années, j'avais acheté l'appartoche chez Noviscore, parce que je trouvais les sonorités vraiment sympas et tout. Puis comme je suis retombé dessus récemment, je me suis dit, tiens, dis donc, si tu proposais ça à tout le monde sur YouTube. Voilà, c'est tout, j'arrête de parler. Tous à vos claviers. Alors comme d'hab, repérez tout d'abord ici le petit point rouge qui représente le do du milieu, et on va débuter à la main droite par une octave, la la. D'accord ? Pouce petit doigt, ensuite do, une tierce mineure au-dessus, et après ré, comme ceci. Et ça, c'est la toute première mesure. À la deuxième mesure, on aura besoin d'un gros accord qui va faire mi en octave, et au milieu, la et do. Sans autre information, c'est donc un la mineur. Je dis ça parce qu'après on va rajouter la note de basse à la main gauche, et il va porter un autre nom. Alors, la, do, ré, cric. Vous vous habituez déjà bien à ça. Ensuite, pour kiffer un petit peu, vous allez placer la pédale. Donc vous l'enfoncez. Et c'est parti. La, do, ré. Yeah. Pour que ça claque encore plus à la main gauche, on va rajouter tout de suite la basse en question. Il va s'agir de fa et do. Donc le do est une octave en dessous du do du milieu. Je vais jouer comme ça avec petit doigt et index, par exemple. On durera 3 temps là-dessus, c'est une blanche pointée. Donc 1, 2, 3, et au bout de 3 temps, même un petit peu avant, puisqu'on va placer la pédale, il faudra que la main gauche se déplace pour aller chercher les notes Fa, La, Do, Mi. D'accord ? Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, vous le bossez en boucle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc maintenant, les mains ensemble. La, Do, Ré, Plaf. Sonner comme ça. Donc là, en fait, on n'est plus sur un La mineur. À la main droite, oui, mais à la main gauche, on a la note Fa. Et c'est la fondamentale de notre accord. Nous sommes donc sur un Fa majeur 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc les deuxième et troisième temps de la main droite. J'étais en position sur Mi, La, Do, Mi, d'accord. Et bien, je vais rejouer La, Do, puis le Ré. Et avec ça, on a complété les trois premières mesures. Ensuite, à la main droite, on va se diriger vers Fa au pouce, La bémol à la place du La bécard, Si au 3 et Mi au petit doigt. Et en même temps, à la main gauche, on jouera Sol et Fa. Ça va donner un super accord. Yeah! Il s'agit d'un Sol 7 bémol 9 à de 13. Eh, hey, c'est un nom tout pourri. Mais si on regarde rapidement, on a fondamental 7e, ça va. La 9e bémol, c'est le La. Le Si, c'est la tierce, et le Mi, c'est la 13e. Donc on a bien 7e, 9e bémol et 13. C'est juste que ces notes-là sont une octave au-dessus pour bien complémentariser les registres. Donc c'était la mesure 4, vous gardez ça 3 temps. 1, 2, 3. Sur la mesure d'après, la main gauche va se déplacer sur Fa, La bémol, Si, Mi. C'est exactement les mêmes notes que ce qu'on avait à la main droite. Donc du coup, ça c'est assez pratique. 1, 2, 3. Dès qu'on a tapé ce premier temps, pour le deuxième et troisième temps de la mesure, la main droite va faire Fa, La bémol, Ré, les trois ensemble, suivi de Do, tout seul, si possible en conservant ces deux-là enfoncés. 2, 3, yes. Je rejoue ces 5 premières mesures. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Au niveau de la pédale, vous la changez quand vous changez d'harmonie. C'est pour ça que je rentre dans les détails, c'est un Fa majeur 7, c'est un Sol 7 bémol 9. Quand ça change d'accord, le pied se soulève et se rappuie après avoir entendu le nouveau temps. Je vais vous faire très prochainement une vidéo spécifique sur la pédale, parce que là, si je l'explique en détail, on va perdre du temps, la pièce est un petit peu dense déjà. Donc je pars du principe que vous savez déjà le faire, et si c'est pas le cas, bah, très rapidement, vous saurez. On attaque la 6e et 7e mesure. La main droite va faire 1, 2, 3. Donc je suis sur Mi, Sol, Si. Je vais jouer ensuite le Ré et Re, Mi, Sol, Si. Donc, quand on le voit comme ça, il s'agit d'un Mi mineur 7, mais la main gauche, elle, va jouer Do, Si. Donc, si on rajoute par-dessus la main droite, il s'agit en fait d'un Do majeur 7. Ça, c'est Do majeur, c'est fondamental, tierce, quinte, septième, neuvième. Toutes les notes sont là, mais disposées aux deux mains. Donc, 1,
2, 3, c'est tout. Dès que vous avez joué ça, 1, 2, 3. Ensuite, la main gauche jouera un sol qui va durer 3 temps et la main droite sur 2e et 3e temps fera sol, la, avec 3 et 4 en rentrant un petit peu dans les touches. Parce qu'après, on aura besoin d'un accord qui fait do dièse fa, si bémol. Ah, pour les mesures 6 et 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, on va attaquer cet accord-là. Yeah, trop la classe! Il s'agit d'un la 7 bémol 9 avec une quinte augmentée. Et oui, mes amis. Si je rassemble tout ça sur une seule octave, ça ferait la, do dièse, fa. Donc, fondamentale, tierce majeure, quinte augmentée, la quinte juste, c'est le mi. Quinte augmentée, le sol, c'est la septième, et si bémol, c'est la neuvième bémol. Ça sonne trop la classe. Donc, 1, 2, 3, ensuite je rejoue la basse en la, et la main droite va faire do dièse fa la, suivi du sol tout seul, si possible en conservant les deux autres enfoncés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà bien avancé. Je vous rejoue ces 9 premières mesures. 7, on va le disposer comme ça, fondamentale quinte à la main gauche, septième à la main droite, refondamentale et tierce mineure. Il va sonner comme ça. Donc ça dure 2 temps. Ensuite, à la main gauche, on va rejouer le la, ça va. Et à la main droite, on va refaire do, ré, fa, plus le la également. C'est-à-dire 1, 2, 3. D'accord. 1, 2, 3, 1. Et sur le deuxième et troisième temps d'après, la main gauche jouera le Do avec l'index en passant par-dessus et la main droite fera Ré, Fa, La, Do, tout le Ré mineur 7 d'un bloc. Je vous refais ces deux mesures. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vous reprends depuis l'harmonie d'avant, le La 7 bémol 9. 1, 2, 3, 1. Et ensuite, celui-là. Yes. Donc, Fa, Si à la main gauche, avec Fa, La bémol, Ré à la main droite. Il s'agit d'un Sol, 7, bémol, 9, avec La 7e à la basse. Donc, Sol, 7, bémol, 9, basse Fa, en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comment j'ai fait? Je tiens 3 temps les deux mains. 1, 2, 3. Je rejoue le Si au pouce, main gauche. Je tiens 2 temps. 1, 2, je rameute le petit doigt sur le Si, main droite. Troisième temps. Voilà, et on a quasiment terminé la première boucle. On se dirige ensuite vers ça. Et chouette aussi, hein. Do majeur 7, 9, à 13. Donc Do, Sol, fondamentale quinte, 7e majeur, 9e c'est le Ré, tierce, et 13e. Voilà. Ça, on le tient 3 temps. 1, 2, 3. Ensuite, je retape Sol, Si. 1, 2, pendant 2 temps. Ensuite, La bémol, il va glissouiller à la main droite sur le troisième temps. Et pour terminer la séquence, Do, Si bémol, main gauche, avec Ré, Mi, Sol, main droite. Un Ré, 7, 9e. Ré, 7, 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici, bah vous pourriez repartir exactement sur la même chose. Et vous cantonnez déjà à ces quelques mesures, histoire d'arriver à faire tourner correctement les choses. Je vous rejoue tout ça une fois, et comme on est gourmand, on va voir aussi ce qui se passe sur la partie d'après. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je rentre dans les touches. Deux, trois, un, deux, trois, un, deux.
exactement pareil. Si on se dirige vers la partie B, on va bien refaire les octaves, mais au lieu de faire La, Do, Ré, on va faire La, Do, Sol. Là, il y a un grand écart, hein, écart de quinte juste, pas évident. Il faut bien regarder l'avance où on va. Et ensuite, on va faire ceci. Mi, La, Do, Mi à la main droite, donc comme un La mineur. Sauf qu'à la main gauche, on va avoir Fa, Do. Donc en fait, on revient comme au début. Fa majeur 7. Par contre, on fait une petite variante. Ré, Mi, donc. Ça, on va dire que c'est la première mesure de la partie B. Comme ça, on arrive au moins à bien segmenter les choses. Donc, l'enchaînement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, Fa, La, Do, Mi, comme tout à l'heure. Après, bah, exactement pareil. La, Do, Ré. Et c'est là que ça change un peu. Au lieu de faire notre Sol 7 bémol 9 qu'on avait comme ça, on va faire à la main gauche Fa, La, Si, Mi. D'accord. Et à la main droite, Fa, La, Mi. Donc c'est quasiment les mêmes notes que tout à l'heure, sauf qu'on avait un La bémol, là on n'en a pas. Donc 1, ensuite La, Mi. Je refais ça. 1, 2, 3. Ok, sur deuxième et troisième temps, la main droite va rejouer La, puis Mi. 1, 2, 3. Ensuite un accord qui pique un peu, un accord de passage, mais qui est trop stylé. Ça va sonner comme ça. Donc vous avez vu, mes mains étaient... En sortie de touche, on va dire, si on imagine que c'est la sortie. Elle était là. 1, 2, 3. Dès que ça s'est fait, je re-rentre dans les touches, parce que sinon le pouce est trop court, le pauvre. Il ne peut pas permettre aux autres doigts d'atteindre ce qu'il faut. Mais nous, on veut Fa, La bémol, Ré dièse, avec à la main gauche, Fa, Si, Ré dièse. Dès qu'on a tapé ça, on refait l'index, puis le petit doigt, à savoir La bémol et Ré dièse. 1, 2, 3. Je rejoue ces quatre premières mesures de la partie B. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, on va taper ça. Il est bien rempli celui-là. Un Do majeur 7 avec une 13e basse Mi. Mi, La, Si, Ré. Avec Mi, Sol, Ré dessus. Et on garde ça trois temps. 1, 2, 3. Ensuite, je rejoue la Si, Ré, main gauche pendant deux temps. Donc, 1, 2, 3. 1, 2, suivi de Mi, Mi en octave. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, un accord qui a vraiment une bonne gueule et qui sonne trop trop bien dans l'enchaînement. Il s'agit de celui-ci. Alors, il sonne, c'est un accord diminué, un Sol diminué. Donc la main gauche, Sol, Si bémol, Do dièse, Mi, ça, ça va. À la main droite, par contre, Sol, Si bémol, Do dièse, Mi, c'est pareil. Mais si vous pouvez essayer de doubler avec le petit doigt, gros accord comme ça. Si c'est embêtant, vous virez le pouce. Vous gardez juste les notes aiguës, Si bémol, Do dièse, Mi, Sol. Ça marchera aussi. Hein. Donc on plaque les deux mains. 1, 2. Ensuite, on garde les deux notes du milieu, Si bémol et Do dièse. Et le pouce et le petit doigt descendent sur Fa-Fa. Pardon. 1, 2, 3, voilà. Ensuite, je rejouerai Sol, Si bémol, Do dièse de main gauche, suivi de Mi-Mi. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rythmiquement, c'est un peu chelou, mais 1, 2, 3, 1, 2, 3, encore. 1, et c'est quasiment la fin. On ira ensuite vers un Ré mineur 7, donc Ré La, avec à la main droite Do, Fa, La, Do. D'accord, on tient ça trois temps. 1, 2, 3. Ensuite, la main gauche fera Do La pendant deux temps. 1, 2, Ré tout seul à la main droite avec le 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on attaque vraiment le finish avec... Alors avant d'attaquer ce qui manque, je vous rejoue les 10 premières mesures de la partie B. Alors avec ta petite phrase qui lance le truc. La, Do, Sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ouh, ça tire. 3. 1, 2, 3. Do, La. Ensuite le Ré tout seul. Et voilà.
voilà ce qui manquait, Si et La bémol à la main gauche avec Fa, Si, Mi à la main droite. D'accord. Donc là c'est pareil, un Sol 7, 9 avec la 13e là-haut. 1, 2, 3, 1, 2, Sol. Et c'est terminé. Donc 1, 2, je rejoue le Mi. 1, 2, 3. Et je vais ensuite vers un Do 6, 9. Donc Do, Sol, La à la main gauche avec Mi, Sol, La, Do. On garde ça trois temps. 1, 2, 3. Et pour relancer, Sol, La. Donc je rejoue les notes, j'arpège les notes de l'accord que je viens de jouer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à la main droite, j'aime bien refaire pareil. Do, Sol, La. Et ensuite, ça permet de relancer du début. Dans la partoche originale, il y a encore une partie C, hein, qui suit, qui est complètement différente de ce qu'on vient de faire. Mais je pense que pour la vidéo, hein, c'est quand même pas mal de le faire déjà jusque-là. Et juste avant que je vous refasse tout du début pour terminer ce tuto, je voudrais vous montrer le petit effet de beau gosse. Beau gosse, belle gosse, hein, bien entendu. C'est la technique d'arpéger un accord. C'est-à-dire que nous, tous les accords qu'on a fait, le premier par exemple, là, une fois qu'on a fait le La, Do, Ré, on arrive sur un Fa majeur 7, ok, on peut le plaquer tout ensemble. Arpéger un accord, ça veut dire qu'on va jouer de la note la plus grave à la plus aiguë, les notes les unes à la suite des autres. Ah, donc pas vite, à deux à l'heure, même ça donnerait... D'accord ? Et le but de la manœuvre quand on veut arpéger l'accord, c'est qu'on rapproche le plus possible chacun des doigts pour obtenir un truc comme ça. Ouais. Et si vous rajoutez un coup de pédale en plus... Ouais, c'est la classe ! Ça remplit énormément la masse sonore globale. Donc cet effet d'accord arpégé, ça marche super bien dès qu'on change d'accord. C'est-à-dire, là-dessus, là on le fait pas, parce que c'est le même accord, on s'en fout. Là, changement d'accord, pareil, ça passe trop bien quand on le fait. Là, on fera rien, et là on peut. D'accord. Donc tout ça, c'est pas obligé, hein, c'est des petits trucs en plus, vous pouvez le placer quand vous avez envie. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai fait dans le cover au début. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, à ces élancés comme ça, très lyriques, vous le prenez pas vite du tout et vous faites comme je vous ai montré. Et je recommence. Et j'essaye à chaque fois de réduire. C'est un peu comme si vraiment vous... Ça partait un peu dans ce sens-là, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair ce mouvement. Bah, évidemment, dans la vraie vie, on ne fait pas ça. Hein, ce serait totalement débile, mais vraiment... On rapproche les notes. Bon voilà, alors, démo depuis le début en slow motion, et vous saurez faire le beau gosse ou la belle gosse, qui se la raconte un petit peu en jouant dans un bar, avec un petit verre de whisky posé sur le côté, voyez. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, là je l'ai pas arpégé. Je vais le faire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, partie B. L'arpégé celui-là. Ouais. Quoi, merde, pourquoi je parle? Je suis désolé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout. Vous serez bien à l'aise avec le texte. Ça donnera quelque chose comme ça, vous pourrez dire bonsoir. Ouais. Oui, je suis pianiste, oui.
Eh ben voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir. N'hésitez pas également à commenter à foison, parce que c'est le petit espace d'échange, donc j'aime bien vous lire, j'aime bien vous écrire aussi. Et si vous avez vraiment apprécié le travail et que vous souhaitiez éventuellement soutenir l'effort, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don. Ça se passe sur la page d'accueil de mon site, il y a un onglet qui s'appelle « Faire un don ». On a fait un gros brainstorming là-dessus pour être sûr que ce soit clair. Puis à partir de là, vous pouvez laisser la somme que vous voulez par PayPal ou carte bleue, voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao !